Notre nouveau rendez-vous dans RTL Midi, un jour sur la Terre, une histoire à part. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Bonjour. Direction le Calvados avec une histoire à la fois salée et stupéfiante. Oui, histoire qui commence très précisément le 16 août dernier à 18h dans le salon d'un pavillon d'Arromanches. Un couple de retraités est confortablement installé devant la télévision avec leur fils et leur petite fille quand soudain, 13 gendarmes font irruption à la recherche de stupéfiants. Les sexagénaires sont soupçonnés de trafic de drogue. À l'origine de ce débarquement en force, la visite, le matin même, d'un gendarme de la brigade de Port en Bessin, venu apporter une convocation administrative. Personne dans la maison, mais devant la porte, il a remarqué un sachet de poudre blanche. Aucun doute, il s'agit bien de drogue, plus précisément d'amphétamine, d'où le déplacement des forces de l'ordre, qui, sur ce coup-là, il faut bien le dire, vont un peu manquer de pif. Le retraité tombe des nues. Le sachet de poudre ne contient que du gros sel. C'est un gris-gris qu'il laisse devant la porte pour chasser les mauvais esprits. Magie noire et poudre blanche, les gendarmes n'y ont vu que du bleu. Les retraités sont furieux. Depuis cette visite, leurs voisins ne leur disent plus bonjour. Jean-Alphonse Richard, un jour sur la Terre, à podcaster sur le premier site radio de France, RTL.fr.